Bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai laissé la musique. On va jeter un coup d'œil au troisième jour du tournoi Red. Je suis sur le fil d'Ariane. Je crois que c'est ça le terme. Ça longtemps que je n'ai pas utilisé. Toujours A. Bien que j'ai dû finir B, je pense. Est-ce que ça, il y a 9h? Ouais, j'ai dû finir B, je suis revenu A. Donc on est moitié-moitié. Pour le moment, j'ai commencé à mettre mon hanton, mais tout juste. Parce que j'ai fini de mettre Membrane niveau 60 pour qu'il tienne un peu plus face aux titans qu'on affronte dans l'Alliance, qui commence à devenir un peu balèze. Le prochain est hanton, parce qu'à force d'utiliser, ben écoutez, mes pratiques. Sharkai, je suis en train de le monter, il est niveau 62 en blame et max déjà, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. C'est parti. Sbire ou démon, plutôt sbire parce que j'ai pas beaucoup de jaune, je vais pas prendre de risque. Je lui dis ça pour qu'ils arrivent. Le Femalus dure 3 tours. On va essayer de voir si j'arrive à provoquer Colin, mais je crois que non, plus qu'un tour, non. En plus, il a des buffs de mana, ce qui est bien en soi, mais juste que je pourrais pas le faire exploser sans sa tronche, mais c'est pas très grave. Toi, mange-toi ça. Sauf giga méga surprise, normalement, la victoire est amplement mienne. Que je t'avais attaqué, autant pour moi. Hey, hey. Soleil de midi alors qu'il est 20h, donc j'ai un peu 8 heures de retard. Merlin. Merlin, Merlin, sans costume. Alors, tac. Alors, on va jouer les sbires dans le doute où Merlin attaquerait Anastasia. Wuglin mana, bien joué. Bien joué, sauf qu'il va déjà rejouer. Ah, elle est presque eu. J'ai 2 chances sur 5 qui m'embêtent. Et là, s'il m'embête. Oh, mais stylé! Il a quand même fait le debuff de mana sur eux et le petit dégât. Bon, oh, ça va, ça aurait pu être pire. Tac, Merlin, tu dégages. Nishu qui réduit le mana si je ne m'abuse. On va d'abord attendre qu'elle joue avant de fermer tuile verte. Bon, après, de toute façon, pour Anton, c'est pas trop trop grave. Alors, partage de dégâts. Et un peu de dégâts. 3 sur 4, c'est un bon ratio. Bravo, Anton. Purée, il a presque tout débuffé. Bien joué à toi. Hop.
passive du tueur redivise par 2 l'effet négatif de Hansel. C'est bon à savoir. Alors, 300, 600, ok, du coup, la bombe pour Cyril. Cyril ou Cilien, t'es purée, Cyril, pour Cilien, tant pour moi. Il a tué mon poseur de scarabée, et justement, c'est mon poseur de scarabée qui va également le tuer, œil pour œil, dent pour dent. Ils sont restés à la loi de Moïse. Attention, il va dégommer les sbires, donc ça vaut pas la peine que je mette pour le moment. Et je pense même prétendre à la fois 2, comme ça, tu vas te prendre un petit démon et quelques dégâts sur ta tronche. Voilà, tu sais combien que tu fais? 235 sur tout le monde. Ah, loupé, dommage. Je viens de tilter, il n'y a plus que la famille magique qui est en vie. Tout le reste sont morts. Du coup, vous donnez le cumul de mana entre eux. Là, Deglone, il est. Bah, il est mort. Bon, j'allais dire, il est chaud, mais de toute façon, il est mort en face. C'est parti. Ouh, pas mal de verre. Je crois que j'ai une fois 2 LS. Oh, ça va. Ah, mais t'es sorcier, t'as plus 4 et toi tu l'as pas. Ah, bah c'est parfait. Alors, tac, tac, tac. Nickel, lui il est mort, c'est exactement ce que je voulais. Tac, rebelote, tac, mange-toi ça. Hop, skadouche. 1 sur 4, là c'était pas un très bon ratio par contre. Hop, hop. Alors, tac, tac, tac. Tac, quelques verres qui se pointent. Tac, tac, boum. Ça, c'est fait. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut modifier la génération de mana dans tous les cas, vu qu'il n'y a pas de troupes. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que toi, t'as juste plus 2, et vu que lui, il est sorcier, t'as plus 4. Du coup, ce petit plus 2 a fait la diff, ma foi. Je crois que c'est l'une des premières fois que ça arrive. Alors, théoriquement, le puzzle commence bien, mais on va voir s'il se poursuit. Enfin, s'il continue d'être bien. Alors, juste attends avant qu'elle joue. Comme ça, ma défense est augmentée. Et je m'en sors relativement bien. Tac. Sbire. Ouais, des sbires. Hop. Rebelote la fois une. J'ai le signe, j'ai attaqué dans le vide, j'ai même pas visé Kedmund, c'est lui qui l'a touché tout seul. En l'occurrence, il l'a bien fait, mais là j'étais idiot par contre. Tac, du ménage et du jaune. Hop, hop, hop. Bon, non, là franchement, j'ai rien à dire. Là, pour cette manche-là en particulier, j'ai un puzzle magnifique. Donc là, j'ai pas beaucoup de mérite. Alors, tac,
Tac, tac. Toi, entre le scarabée et l'explosion parce que t'as trop de mana ou alors les tuiles qui t'ont achevé, dans tous les cas, ton sort était scellé, si je puis dire. Allez hop, un livre démon et un scarabée démon. À toi de choisir, qu'est-ce que tu préfères? C'était dans Secret of Mana, je crois, sur la Super NES. Il y a des livres qui attaquent, si j'ai bonne mémoire. Me semble-t-il. Eh ben ça c'est fait. Ok. Là par contre le puzzle il est pas top top. Parce que là elle va jouer les sbires et ça va être compliqué parce que du coup elle va se donner un max de génération de mana et compagnie. Donc là ça va être compliqué. Plus 24 c'est ça? Plus 24. Ouais. Et du coup ils vont tous jouer à vitesse grand V. Ça va être bien dommage. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir la calmer avec ça. Ça, même si elle se réchauffe, bah, ça va se retourner contre elle. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Alors, j'ai presque une fois deux. On va essayer de tenir un peu plus. Ça je joue, ça bien sûr que je joue, ça aussi je joue. Alors ma cible prioritaire c'est ce qui est à droite, je pense que ça saute aux yeux. Toi t'es pas druide. Non, par contre tu peux esquiver, donc cible prioritaire mais qui peut être relou. C'est noté, alors mange-toi ça. Et puis mange-toi un autre scarabée, tant qu'à faire. On va vraiment avoir ta peau. Voilà, et dans deux tours, tu es condamné. Si on pourrait du coup ne pas le chauffer, comme ça il meurt sans me refrapper, ça serait nickel. Genre là, tu meurs. Nickel, t'es adorable. Allez hop. On va chez celui qui est à droite, comme ça on n'en parle plus. Il ne me restera plus que l'aile gauche et je devrais être tranquille. J'ai 1, 2, 3, 4, 8 cumuls de mana, donc c'est autant que j'ai déjà joué 8 fois les CS de mes petits magiciens. Nogloon qui est en x2, pourquoi pas? Toi tu es druide, ok, du coup tu risques pas de bloquer. Alors quelques sbires, tu as 785, donc le démon que je viens de te balancer devrait te condamner. Il ne reste plus qu'à me préoccuper de l'épéiste qui est à gauche. Voilà. Toi, il te reste 0 PV. Bon bah. Les livres ont eu raison de toi, c'est ça, les sbires grimoires ont eu raison de toi. Un sans faute. Bon, ça va. Mercredi sans faute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a des copains là-dedans?
Dave Ximbal, Smokey Groot, Tom Watai, San Astinate, Tank Gordon, Timon, Fox, Germinator, Harry, Williams, BT, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que t'as de beau? Ok. Ok, la costume pour la version de base, ok. Enfin, parce qu'il a plus de défense et peut-être aussi parce que les sbires sont plus costauds, je crois. 15% de PV. Alors que le costume, ici, ils ont 18%. Non, même pas. Ah, vu qu'il est druide, peut-être que pas comme ça, elle lance peut-être un peu plus vite. Qui sait? En tout cas, sûrement ses raisons. Je ne doute pas de stratégie. Mince, t'étais là il y a 2 secondes. Williams, où est-ce que t'es parti? Ah, pas là, t'es là. Lixiu. Costume. 30 secondes, mais Lixiu, elle, elle est arrivée il y a. C'est la nouvelle, non? Ah non, je confonds, elle était déjà là la dernière fois. Ok, bon, ça va. Je me confonds. Mais en tout cas, super cool que qu'il y ait déjà. Enfin, que tu aies déjà. Qui sait, peut-être que tu prends le temps de regarder ces petites vidéos toutes tranquillou, sans prise de tête. Et Lixiu en même temps costume, mais l'autre costume. Donc, t'as les deux. Franchement, c'est bien pensé. Gormek Jambon qui débuff à coup sûr, puis fait des dégâts. Très bien pensé. Et Zuyu qui fait des dégâts et un sbire pour tout le monde. Et le sbire, lorsqu'il frappe, fait un petit auto-brûlure. Non, franchement, une bonne équipe. Franchement, ne m'étonne pas. Lord Stark. Un autre youtubeur, mais par contre, celui-là, c'est. Vous m'excuserez, je ne parle pas cette langue. Je me l'ai mise à l'espagnol et l'anglais à la rigueur. Et c'est bon. Et c'est bon, c'est bon. Top 5. Le top 1 serait que je suis loin, mais je suis quand même confortablement au top 5. Ça va. Donc c'est plutôt bien. Tant que j'y suis, demain, je ferai pas de vidéo. Je pense que c'est l'anniversaire de ma compagne, du coup, ben, je vais avoir d'autres choses à faire. Je pense que ça peut se comprendre. Ben, je vous dis à vendredi, dans la logique des choses, et ciao ciao!